Aujourd'hui, les élèves vont donc utiliser des morceaux de céleri, les découper et observer de plus près ces vaisseaux en utilisant du matériel comme une loupe binoculaire. Aujourd'hui, TP de niveau 4e, on étudie les plantes et on cherche à savoir comment se fait le transport de la matière au niveau de la plante. On a vu avant que les plantes prélevaient de l'eau et des sels minéraux au niveau des racines. Donc aujourd'hui, on a fait tremper du céleri dans un colorant bleu au niveau des racines. On a laissé tremper pendant plusieurs heures et on a récupéré des petits morceaux de tige. D'accord ? Et on va observer comment se fait le transport de la sève à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait tremper ? Les racines et les feuilles. J'ai fait quoi tremper ? Les racines ou les feuilles ? Les racines. Donc quelle est la sève qui provient des racines ? La sève, plus que la sève de la plante. Donc qu'est-ce qui est à l'intérieur des vaisseaux ? La sève plante. D'accord. D'accord, je vais corriger ça. Donc là, on va observer une sève en particulier. On va observer la sève brute, donc celle qui est prélevée au niveau des racines. Mais il existe une autre sève, la sève élaborée, qui est produite au niveau des feuilles par un mécanisme particulier, la photosynthèse.